Donc, comme on peut le voir, j'ai carrelé jusqu'à la fenêtre. Ici, je l'ai coupé un peu bizarrement, mais bon, c'est la seule manière dont j'ai réussi à le couper. Et maintenant, il va falloir carreler tout là. Mais d'abord, ici, là, vous voyez ce carrelage-là, celui-là, là, il va jusque-là. Là, c'est vide. Donc là, je crois que je vais remplir. Et malheureusement, ben, le carrelage qu'il y a sur la toilette, on aurait pu la continuer et la finir là. Mais ça n'a pas été fait, donc je vais devoir rajouter un petit bout. Mais bon, c'est comme ça. Donc je vais couper un bout de Ciporex, comme ça, et je vais le mettre là. Bon, là, il faut que j'enlève tous les petits trucs là qui dépassent, parce que c'est embêtant pour mettre le carrelage. Et comme j'ai pas de... j'ai pas d'autres outils, j'ai pas trouvé la boîte à outils, donc j'ai pas trouvé de marteau, c'est avec ça que j'enlève. Voilà, je vais enlever tout ça. Donc, j'ai coupé un petit bout de Ciporex. Ça se coupe très facilement, hein. Ça se coupe à la... comment ça peut... avec la scie, à la main. On va enlever tout ce qu'on a. Enlever le mur. Donc, on va coller ceci dans le fond, un bout de Ciporex avec le reste de colle pour carrelage. Normalement, il faudrait plus de matière, mais bon, j'en ai plus. Voilà, on verra bien. Allez.